Madame, Messieurs, bonsoir. Avec un pile plaisir, nous avons entré la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Aujourd'hui, c'est lundi 15 avril 2024. Moi, c'est Jacques Lambélisère. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Actualité concernant le pays d'Haïti, protestation contre arrêté sous conseil présidentiel transition qui paraît dans le journal officiel PIA Le Moniteur, sans nom conseiller. Actualité internationale, États-Unis avec plusieurs puissances occidentales dénoncent gros menaces pour violence augmentée dans la région Moyen-Orient après attaque Iran contre Israël. États-Unis, président républicain Donald Trump paraît jeudi lundi dans un tribunal dans New York pour formation jury dans le cadre de procès criminel contre lui, un événement historique. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment merci d'être qu'on choisi VOA Créole pour informer et ça fait nous plaisir c'est premier sorti nous pour semaine nous souhaitons une bonne semaine de travail. Actualité a mené nous d'abord dans New York avec un événement historique côté ancien président républicain Donald Trump paraît aujourd'hui dans un tribunal dans New York pour formation jury dans cadre procès criminel contre lui. Tant qu'on nous dit c'est un événement historique, nous gain sur place dans New York Valérie Saint-Louis. Ancien président Donald Trump levé bonne matin lundi 15 avril ça pour l'al préparer, pour l'al faire face à un jugement criminel historique devant tribunal dans Manhattan, New York. Côté que l'a bien pour répondre, accusation sous you l'argent imbattable que l'a payé pour acheter silence, qui voulait dire ferme bouche, you star film porno qui était en affaire avec lui. Li t'a payé mamzelle pour le pas mettre causé le dehors. N'a regardé là, Donald Trump qui t'a quitté la Kylie dans building appartement Trump Tower li matin pour l'al dans tribunal. Donald Trump qui a 77 ans, c'est premier ancien président américain qui fait face à un jugement criminel, un jugement historique qui a déroulé dans Manhattan et qui a duré jusqu'à mois de mai. Aujourd'hui, il prévoit commencer à choisir même jury qui pourrait assister jugement ça. Et le processus ça a duré à peu près une semaine. Il y a quelques débats légaux et discussions qui pourraient être faites avant la sélection jury a commencé. Léo fini, juge d'après aller les plusieurs monde dans la salle tribunal là, puis ont commencé processus pour y rejoindre 12 membres jury, plus 5 remplaçants pour 6 au cas quelques membres ta absent. Dans processus sélection 12 membres jury, il y a bien pu répondre question sur alliance politique yo, pour dire si yo démocrate ou bien si yo républicain. Question qui est pour qui moun yo te voté. Mais il y a bien pu répondre une série questions qui fait pour déterminer si yo gen aucun préjugé, soit en faveur ou soit contre Donald Trump. Ça qui t'a qu'à faire tribunal a douté que yo sans parti pris. Donald Trump t'est plaidé non coupable pour 34 accusations criminelles. D'après avoir que le t'a servi avec faux dossier business, la justice dit que pendant la campagne 2016, il t'a essayé de cacher une soi-disant relation sexuelle, zak adultère que le t'a commet avant ça. Donald Trump dit que c'est histoire ça yoye et pour c'est ça, si on la honte pour la justice. Avocat Trump yo fait connaître que t'a dû déplacer jugement et faire l'autre côté. Parce que d'après yo, sélection jury a fait dans Manhattan, qui c'est une ville en majorité démocrate, et côté qui a fait un pile publicité négative sous Trump. Juge coup d'appel là, t'a rejeté une demande en urgence pour étaler jugement, pendant que demande pour changer local côté jugement après aller où Léa, aller devant l'autre groupe juge coup d'appel qui t'a dû considérer demande ça dans semaine qu'a venir. La police New York t'est monté barricade devant tribunal là depuis le matin et t'est barricadé tout aux alentours tribunal là avant pour ça t'est commencé à 9h30 du matin. Hélicoptère t'a fait one ciel là pendant que t'a suivre cortège SUV noir qui t'est accompagné Donald Trump sorti dans appartement dans Trump Tower jusqu'à ce qu'il arrive dans tribunal là. Ancien président Donald Trump critiquait jugement New York ça. L'elle t'est arrivé dans tribunal Manhattan pour jugement historique ça. Donald Trump t'est qualifié jugement criminel New York contre l'IA comme persécution politique. Lydie. This is an assault on America. Nothing like this has ever happened before. Ça, c'est une attaque sur l'Amérique. Bagay kon sa pas jamais fait avant. Tout le monde qui connaît question légale te dit que ça, c'est une histoire qui n'a pas de sens. Yo pas ta doué jamais venir avec lui. Ça n'a pas mérité rien dans toute attention. Ça pas aucun cas là. Et le monde qui pas nécessairement suivre au soirée, mais Donald Trump dit que ça, c'est une persécution politique et que yo pas jamais vu ça avant. Et puis encore, c'est un cas qui pas ta jamais doué présenter. C'est ça qui fait que moi très fier que moi là aujourd'hui. C'est une attaque sur pays qui en bas direction un homme incompétent qui gagne en pile pour un dossier ça. C'est une attaque sur un opposant politique. Moi fier que m'la. Merci en pile. That's all it is. So I'm very honored to be here. Thank you very much. VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Dans l'actualité concernant région Moyen-Orient, les États-Unis avec l'autre plusieurs puissances occidentales, il y a quelque sauté par rapport à une escalade de violence qui est capable de faire dans la région. C'est comme ça, États-Unis avec Israël fait connaître que réaliser une défaite spectaculaire dans attaque aérienne 300 missiles à drone Iran lancé sous Israël samedi. Qui se passe là? Jean-Robert Philippe, gain détail sous développement ça.
La Maison Blanche a déclaré dimanche 14 avril la première attaque Iran lancée sur Israël samedi 13 avril là échoué après avoir intercepté 99% dans missiles avant il était capable de toucher objectif yo. Président Joe Biden qui était en vacances dans Delaware est retourné bruit sous coup dans Washington samedi après annonce attaque iranienne sur nation hébreu. Côté il passé plusieurs temps à parler dans téléphone soit avec leader mondial yo ou bien à discuter dans une salle spéciale dans la Maison Blanche. Responsable dans la Maison Blanche déclaré par journaliste administration n'a pas supporté une contre-attaque le gouvernement israélien a fait. President has made it clear we do not seek a war with Iran. As daylight dawned, Israel. Porte-parole sécurité nationale Maison Blanche là John Kirby qui a participé à l'émission Mythe de presse qui passait sous chaîne télévision américaine NBC déclaré président fait remarquer le clair que nous pas chercher une guerre à Iran. L'idée israélien yo te chercher concentré sous signification attaque là pour solidarité contre Iran cap supporter groupe militant qui t'a attaqué Israël 7 octobre 2023 ça qui lagué région dans une série de violences. We have an opportunity here to establish a strategic alliance against the Syrian threat. Nous gagnons une opportunité pour établir une alliance stratégique contre une menace grave Iran posée. Les menacer pour mettre explosifs nucléaires dans missile. Un bagage comme ça capable une menace grave. États-Unis ont campé coude à coude pour défendre menace ça. Téhéran te prend engagement pour répondre kif kif après attaque du suspect Israël t'a fait sous consulat iranien dans Damas dans commencement mois avril là. Ambassadeur iranien dans Nations Unies Amir Sayed Iravani qui t'a parlé hier dimanche là déclaré attaque sous consulat justifié réponse gouvernement iranien. Diplomate là souligné Iran pas chercher conflit avec États-Unis mais il finit intervention avec avertissement ça. However, if the US initiate military operation cependant, against Iran, les États-Unis commencent une opération militaire contre Iran, security population and ou bien Iran sécurité à intérêt, Iran a pu utiliser droit inhérent les gagnants pour répondre proportionnellement. Nobody knew what to expect. Everybody was all waiting. So it was totally new experience. Ni mode Goen, un analyste dans l'Institut Moyen-Orient qui t'a parlé sous Zoom déclaré personne pas de connaît qui ça a été doué attendre. Tout le monde était la caillou à attendre. Donc c'était une expérience nouveau. Éventuellement, la population était soulagée à cause de l'attaque là débloquée. Le moment leader mondial a réfléchi sur la prochaine étape là, situation différente pour famille palestinienne qui trouvait une mi-temps un conflit brutal qui détruit le territoire Gaza. Question pas capable Ija. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Maryland. La prête est toujours dans la région Moyen-Orient, côté dans la centre région Gaza, Der al-Bala. Eh ben, moun ki déplacé yo, construit yon tente, ak boîte aide manger vide yo te recevoir. Yon façon pour symboliser la vie yo, pendant la guerre ça, et voyez yon message, bah, le monde entier sous situation crise humanitaire qui gagne nan Gaza. Gentil Augustin Junior, gen détail. Dans Der al-Bala, dans la région Sud Gaza, moun ki déplacé yo construit yon tente ak boîte vide assistance manje yo te recevoir, yon façon pour symboliser la vie yo pendant la guerre ya, et puis voye yon message bay moun lan sous situation humanitaire dans la région. Nous te gen l'idée fait yon bagay pour voye yon message bay moun lan. Nous te gen devant nous là, yon pile boîte aide yo te bay région Gaza, boîte poids, houmous, poids rouge. Nous te décide de faire yon bagay ak yo. Donc, nous prenons boîte sa yo pour nous faire yon tente. Dalia Al-Hafifi, yon palestinien qui te déplacé sorti dans ville Gaza, ak yon nan moun ki deye l'idée sa, te dit que boîte assistance manje pour moun Gaza yo, yo te utilisé yo pour construire tente lan, ke li espere ki pral servi comme yon espace rencontre pour un pile moun, et yon abri temporaire pour moun ki yon besoin. Boîte poids, viande, ak ou mousio, yo te cimenté yo verticalement ensemble pour bâti mi yo. Et puis, d'autres tentes l'an couvri ak paille et li gen yon porte qui fait ak bois. An de abri sa décoré ak photo qui raconte yon histoire. Chaque canister
gen yon histoire pour chaque moun qui déplacé dans région Gaza. Et puis, nous t'ai exposé photo yo, jout tant planté l'ouvria. Chaque photo raconte yon histoire souffrance pendant la guerre, ak avant la guerre. Nous t'ai fait expérience migration an, ak Naksa, qui se déplacement palestinien yo, dans la guerre 1967 là. Et je dis ya, nous fait face ak déplacement. C'est peut-être ça, nous t'ai porté photo qui symbolise état souffrance là, état la guerre ak tragédie que n'ap vive. Depuis plus passé 6 mois la guerre ça, situation humanitaire dans région Gaza a détérioré chaque jour pi plus. Ça qui aggrave possibilité pour déplacer yo joine bon jan moyen pour yo manger. Asma Machoud, yon déplacé palestinien, t'a raconté histoire yo pendant la guerre. Nous pas gen aucun manger pour nous manger. Qui donc nous t'es obligé aller nan manger nan boîte. Manger nan boîte yo kounye ya fait partie la vie nous chaque jour. Nous préparer poids, viande nan boîte. Même si poids nan yon boîte conserve, mais yo pas bon pour la santé. Nous doit servir ak yo parce que pas gen l'autre qui disponible. Seulement manger nan boîte. Li parler de déplacement nous ak souffrance peuple palestinien yan. À cause pi fort important manger commercial yo suspend majorité région Gaza kounye ya compte net sous aide manger qui souvent rive joine yo nan boîte conserve. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Miami. Merci d'être toujours branché sur VOA Creole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Actualité mené nous ici aux États-Unis côté FBI. Eh ben yo ouvert une enquête sur bateau cargo qui était écrasé dans Baltimore. Un reportage Serge Rodriguez. Agence enquête fédérale États-Unis FBI ouvert une investigation sur effondrement mortel yon pont dans ville Baltimore État Maryland mois passé. Youn nan poto support pon sa, d'après sa responsable FBI yo di jodi lundi. Autorité FBI été monté à bord bateau d'Alia pour mener une enquête tribunal approuvé sur activité qui m'a connu avec accident. D'après sa porte-parole, l'agence fédérale l'a déclaré par l'agence nouvelle Reuters. Bureau enquête fédérale là, pas bail aucun autre détail sous question. Bien bonheur dans la date 26 mars passé, gros aucun bateau cargo a été pris en panne courant, une situation qui était débouchée sous frappe poteau support pont Baltimore, là. Accident si là a été provoqué effondrement pont Francis Scott Key dans fleuve Patasco, côté 6 travailleurs ont perdu la vie. Investigation pour déterminer si oui ou non membre équipage là t'est parti quitter pour en connaissance de cause avec un bâtiment qui t'a fait face à gros problèmes dans le système opérationnel d'après sa journal Washington Post rapporté jeudi lundi. Enquêteur sur question sécurité déjà joint enregistrement en boîte noire qui fournit données sur position, vitesse à bateau à t'as utilisé pour atteindre destination ni communication radio etc. À la tête bureau national pour sécurité transport du Congrès la semaine passée, investigateur Lio déjà pris contact à quelques personnels importants dans le cadre d'enquête la menée sous question. Pendant ce temps, travail pour retirer débris pour établir trafic dans Port Baltimore a continué. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, un coup de pied dans le pays Brésil avant d'aller dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Et bien, autorité a mené enquête sur naufrage d'un bateau qui est à la cause de la mort en pile monde. Sandra Lemaire. Police fédérale brésilienne menait une opération dimanche pour récupérer un petit bateau chargé à cadavres qui commençait pourri, que pêcheurs ont été détectés tout près côte nord-est pays. Ils ont vu bateau qui a flotté bon côté côte état Para, qui situé dans une région bien loin, sur une distance 300 km à Belém, qui c'est capitale état. Force navale là, pompiers avec autorités locales ont participé dans l'opération. Ministre Justice Brésil a publié une déclaration quand elle dit pays a voyé une équipe police spécialisée dans zone là pour déterminer qui côté moun qui mouri yo ak bateau a té sorti. Déclaration ministre Justice l'a dit gagnon a fait 20 cadavres dans bateau a. Bureau a dit l'a tamen une enquête criminelle ak une enquête civile sur incident. C'est pas première fois pêcheur rejoint bateau qui chargé à cadavre qui a flotté dans région ouest océan Atlantique là. En 2021, au moins 7 bateaux chargés à cadavre t'al choué sous côte Brésil ak l'est Caraïbes là. Enquête Associated Press avec autorité locale yo mené joine quelques bateaux sa yo t'a transporté cadavre migrants africains qui t'a essayé arriver dans îles
Canario, mais qui t'a fait erreur navigation et qui t'a arrêté à flotter sous la mer pendant plusieurs semaines. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être toujours sur VOA Creole, cap émet depuis Washington. Tant que nous promettons, nous n'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Côté que des protestations compté arrêté sous conseil présidentiel transition qui paraît dans journal officiel pays le moniteur vendredi qui se passait là mais nos conseillers pas arrêté ça qui provoquait un pile sensation dans pays un pile réaction un pile protestation tout nous sommes sur place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Parti politique qui impliqué dans mise en place conseil présidentiel là réclamé installation rapide institution ça pendant yo longe droite sur premier ministre démissionnaire Ariel Henry le fait que le pas respecté engagement malgré création officielle conseil là crise politique et sécurité a persisté dans pays d'Haïti qui fait face à une violence sans pareil dans un communiqué qui porte date dimanche 14 avril 2024 là neuf partis qui impliqué dans négociation dénoncer décret qui crée conseil pendant yo souligner diverses modifications qui faites dans accord initial parti sa yo exiger publication détail accord politique 3 avril qui est la donne mission organisation conseil transition ak non membre conseil présidentiel yo dans journal officiel le moniteur gouvernement sortant annoncé création conseil sans pas dévoiler non membre yo ça qui capable bay retard ak processus installation parti sa yo mandé premier ministre lan à tout gouvernement nan pour faciliter rapidement mise en place conseil lan conformément à accord politique pour assurer une transition pacifique et ordonnée. Une fois les fins opérationnelles conseil transition ta doit travailler pour restaurer l'ordre public et stabilité. N'a souligné signataire prise position sa yo c'est accord 30 août 2021 qui gagne tino jetli accord Montana accord 21 décembre 2022 association patronale ak regroupement homme ak femme d'affaires dans pays d'Haïti collectif 30 janvier 2023 petite Dessalines plateforme résistance démocratique Red ED ak regroupement politique compromis historique groupe société civile ak rassemblement pour une entente nationale. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Fonjoin dit tout que arrêté ça joine en pile bravo bon côté communauté internationale là notamment bon côté CARICOM les États-Unis avec Canada mais ça pas empêché que gagne quelques regroupements politiques et organisations sociopolitiques qui ont même levé la voix par rapport à décision ça ou dans tout ça depuis Port-au-Prince. Certaines organisations sociopolitiques ak parti politique ou bien coalition politique qui gagne opinion différente par rapport à modification gouvernement Ariel en rien fait dans décret qui créait conseil présidentiel transition et qui pas publié non neuf personnalités qui pour constituer structure ça Bolivar Jean Anderson qui c'est coordonnateur général pour Haïti dénoncer équipe gouvernementale démissionnaire Ariel en rien lui dit cap fait dilatoire qui campait en quoi contre conseil présidentiel transition. Li annonce yon vaste mobilisation contre équipe Ariel Henry pendant le mandat 9 membres CPO pour yon autoprogrammé tête yon nan palais national comme président pays d'Haïti. Faut yon agit vite parce que population li même li pas katen encore. Nan ensemble de vaste opération nous-mêmes, dans l'essence pour Haïti, nous allons lancer sur tout le pays, nous voulons que le conseil présidentiel là prenne acte et il faut qu'il agisse rapidement presto parce que nous pas bailler ni jour ni date. Si le conseil là pas pressé installé pour la peine décret ou bien arrêté gouvernement de facto qui crase le pays, nous fait corruption, malversation, criminalité et territoire perdu, nous même les sens pour Haïti, nous pourrons aller plus rapide que le conseil présidentiel là. Pendant ce temps, il y a une coalition politique qui regroupe partis politiques, innovation, mouvement indépendant pour réconciliation nationale, avec bloc avocat engagé, menacé pour attaquer décret gouvernement démissionnaire
Ariel Henry, d'après une responsable, Joseph Jean Rousselet. Pour qui ça n'a pas attaqué l'injustice? Parce que l'illégal, ni sous fond, ni sous forme, ni illégal, c'est ça fait que nous-mêmes, en partie politique d'innovation, n'a préparé pour que nous attaquions et décrétions ça en justice. Parce que nous croyons en justice pays, nous, n'importe ça qu'a fait, il est supposé respecter la loi. Parce que génération qui a venu en doit joindre ça comme boussole pour y avancer. Même j'en ai joué une cour de cassation comme une boussole pour y avancer. Oui, na Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, pratiquement installation, conseil présidentiel, transition, passe moun pour qu'on connaît qu'il est là installé, malgré que vendredi qui se passe là, et conseil des ministres a été publié dans Le Moniteur, journal officiel gouvernement, principe que, gagné un conseil et présidentiel de transition, mais non conseiller au paladin parce que gagne pile formalité pour yo mettre sous place d'après information qui vient de nous. Et puis, faut dire tout que conseil et présidentiel de transition n'a pas fait l'unanimité dans le pays, surtout que gagné plusieurs secteurs qui ont demandé pour aller plutôt. La Cour de cassation peut capable choisir un juge qui régulièrement élu pour capable venir prendre tête transition. Et parmi yo gagné secteur, parmi secteur ça, yo gagné congrès Wanamet là qui gagne en tête li comme initiateur Dr. Fritz Bisseret. L'histoire des conseils présidentiels, c'est l'histoire de l'échec. C'est l'histoire des guerres civiles, c'est l'histoire des massacres, c'est l'histoire de création de crise. Dans la sociologie politique haïtienne, nous nous rendons compte que nous n'avons même pas le sens de la collégialité. Eh bien, c'est toujours à partir de Youmer qui prépare la couille avec elle, ou bien Youmer entre eux, ou bien il y a deux là-dedans qui a souffert, ou bien il y a deux là-dedans qui a accepté. Qui a accepté volontairement mettre au sous-côté pour ou pas jamais qu'on est l'autre deux lorsqu'on commune à fonctionner. Et me fait exercice ça avec un pile journaliste ici en Haïti pour me demander mais est-ce que vous connaissez par exemple YouTube comme référence la mairie de Lela, on dit mais est-ce que vous connaissez les deux maires assesseurs n'est-ce pas à Wilson jeudi. Il pas capable de dire. C'est comme pour vous dire que même lorsque nous parlons de conseil municipal côté que trois membres seulement, eh bien c'est toujours un problème d'harmonisation etc. Tout au début de la crise nous t'a fait la promotion, nous t'a toujours attiré l'attention de l'international sur la nécessité d'avoir un président et un premier ministre. Il t'a dit, il t'a mis ensemble avec des collabos sur le palais national, puis il t'a fait qu'on ait que, eh bien, les clés du palais national seront remises à un président élu. Donc, c'était un premier ministre sans président. Maintenant, pour montrer qu'on est sorti de haut extrême, pour nous aller dans l'autre extrême, trois ans après, l'offre fait tout ça pour nous faire, et ça nous fait que nous ne connaissons pas, eh bien, il est venu qu'on y a avec l'autre extrême, non, un premier ministre avec un conseil présidentiel de 7 à 9 membres. Donc, vous comprenez que là, maintenant, ça qu'a fait là, il est rentré dans le cadre d'un complot. Un complot qui est toujours gagné contre ce pays. Donc, c'était Dr. Fritz Bisseret qui s'est initiateur et congrès Wanamet qui, il y a même dans mouvement ça, il y a quoi que c'est à, dans cour de cassation pour y'a dû aller pour y'a choisi, y'a un juge régulièrement élu pour qu'il y ait une prête transition. Donc, jusqu'à présent, situation crise pays d'Haïti, eh ben, solution, c'est pas pour demain parce que y'a un pile tractation qu'a fait dans pays à ou sauver au accueil. Merci d'être choisi, nous, pour informer et nous remercier toutes les amis qui, y ont même dans moment ça, à suivre nous, sur quelques plateformes que ce soit sur Facebook ou bien dans l'autre plateforme, nous. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Eh oui, vous sauvez au Accra, on peut mettre depuis Washington DC. Qu'on y a nous pral dans Plantation, dans Floride, côté que nous pral parler de art et n'a pas associé avec l'Union fait la force. Nous gagnons Jude de Ronsky sous place. C'est dans finissement semaine qui s'est passé là que l'Union fait la force Haitian Heritage Art Exhibition dérapé dans Island Space Caribbean Museum de Broward Mall dans Plantation, État Floride. Jimmy Moïse, qui est manager responsable exposition, a expliqué qui côté idée a sauté. Bon, rapidement, idée c'est idée Caleb Thompson
qui c'est propriétaire CEO Muséa, qui est en Jamaïcaine, qui a besoin de célébrer le mois de mai, le mois de l'héritage haïtien. Donc, il est moins pour me faire présentation ça jeudi. Et c'est moi qui curateur dans là. Donc, c'est moi-même qui mène artiste haïtien pour lui. Je suis capable d'identifier là, par exemple, derrière de moi, si nous, c'est Annick Duvivier Ligondé qui là, qui présenté. Et puis, bon, bah, ici, là, il y a Gary Laurent qui est producteur à Island TV. Nous avons encore Claudia Aped, nous avons Sophia Lacroix, et Dominique Amboise, Hélène Boisson et Neji Bien-Aimé. C'est Neji là que nous sommes là. Et puis, nous avons une connexion privée là. C'est une ambiance qui est créée entre visiteurs avec tableau. Bonne communication qui a fait. Donc, c'est ça. Donc, nom c'est Hélène Boisson. Non, artiste, c'est Eleni. Donc, je commence à peindre depuis environ toute jeunesse. Moi, j'aime la peinture, j'aime l'art. Mais moi, vraiment, je commence à peindre il y a 3 ans de cela. Et vraiment, et pour le moment, je j'aime un pile de portraits. Et je mets un pile de couleurs dans le portrait parce que il reflète vraiment une sorte de comment dire, bonheur, de richesse, de couleur. Donc, c'est pour ça que je peins comme ça en couleur, en général. Et moi, je mets un pile de couleurs dans le tableau. Moi. Parce que moi, je voulais montrer l'autre face d'Haïti, parce que Haïti, pour le moment, il y a un pile de difficultés, mais c'est un pays qui est très riche, qui a une belle culture. Donc, c'est pour ça que je suis allé partager vraiment ça me fait avec le public. Bon côté Pali, artiste Neji Bien-Aimé a bail détail sous participation dans l'exposition. Là, on m'a regardé, moi, je voulais que je joigne un bagage que je voulais pour que je sois un bel bagage. Non, Pam, c'est Jude Onskey pour VOA Creole dans Ville Plantation, État Floride. Merci, Jude. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Avant d'aller, nous avons rappelé quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Eh bien, dans le pays d'Haïti, c'est protestation contre arrêté sous conseil présidentiel transition qui paraît dans le journal officiel pays, le Moniteur, mais sans nom conseil. Et puis, États-Unis, avec l'autre puissance mondiale, dénoncer gros menaces pour violence augmentée dans la région Moyen-Orient après attaque Iran contre Israël. Et puis, ici, aux États-Unis, c'est justice. Ancien président républicain Donald Trump paraît jodia dans un tribunal dans New York pour formation jury dans le cadre procès criminel contre lui. C'est un événement absolument historique parce que c'est la première fois qu'un ancien président pral jugé pour une cause criminelle. Et puis, dans la question sport, demain, semaine, ça a gon bouillon boule. Demain, c'est quart de finale retour Ligue Champion. Est-ce que Barça a capable de conserver ce score que l'a remporté 3-2 contre Paris Saint-Germain ou bien est-ce que Mbappé a capable de bailler PSG qualification? Nous, après ça demain. Et puis, il y a Borussia Dortmund qui a joué contre Atlético. Après demain, a gagné l'autre quart de finale retour, notamment Bayern de Munich a joué contre Arsenal et puis Manchester a joué contre Real. N'a pas rappelé que Atlético Madrid t'a calé Borussia Dortmund 2-1 dans quart de finale aller et puis défaite Paris Saint-Germain 3-2 et devant Barça, c'est dans stade de Paris. Et puis, donc, et gagné tout, Real Madrid était fait match nul 3-3 avec Manchester City et match nul 2-2 avec Arsenal, entre Arsenal avec Bayern de Munich. Donc, c'est pratiquement ça, tout ça, n'était gagné pour aujourd'hui. Donc, demain, c'est bouillon boule, n'a pas dit demain, mais pas seulement demain, c'est demain, après-demain, a gagné et quart de finale, retour, fanatique boulot, on connaît que Haïtien pas joué avec ça. De vous parler de boule, c'est tête chargée. Eh bien, nous pratiquement arrivons à la fin du programme, c'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous voulons remercier tout le monde qui t'a participé dans le programme. Nous dit Fred Kaimit, qui va voir ici, nous dit bon retour à la maison. Et puis, sans oublier Jean-Marc Hervé Abella. Et puis, gentil Augustin Junior, nous songeons en pile. Bonsoir, moi c'est Jacqueline Bélizère. Kebela, Palagé.